I think she's very modest in the way that she doesn't want to speak about herself ever. She'd rather talk about the foundation rather than about herself. She doesn't like to talk about her personal life. In fact, I couldn't place her even in any specific culture. If I was told that she grew up in England, I could understand that. If I was told she grew up in Italy, I could understand that. But I would presume it was Milan rather than Sicily. If she grew up in Paris or in the Near East or in New York, I don't know, she seems to me to not be particular to any kind of region or particular education. I have no idea about her education. She just seems like a person who's brought up well. Elle avait ce bagage vraiment de ce qu'on appelait les dilettanti à l'époque des Lumières, donc de ces grands voyageurs donc, qui se promenaient d'une place à l'autre, vraiment dans une optique de culture, de savoir. Ce n'est pas quelqu'un qui s'affirme d'une façon brutale. C'est une personne qui est tout en nuances. Elle a ses goûts. Elle les affirme, mais elle respecte les vôtres. Cette profonde élégance dans la pensée, le jugement, les comportements, c'est une vraie lady. Je me disais, Madame Stewart, son histoire, on pourrait faire un film. Lorsqu'on pense à Lillian Stewart, on pense beaucoup à sa générosité au niveau des institutions hospitalières, des institutions d'enseignement, des musées, des sites historiques. Mais la question qu'on se pose rarement, c'est quel est son parcours qui lui a permis d'aimer autant Montréal? Il me semble que c'est l'amour. Je crois que c'est l'amour qui l'a amené vers Montréal. Utilisait un terme anglais, we are bonded, c'est-à-dire qu'ils étaient fusionnés. Comment se fait-il que deux personnes qui viennent de continents différents peuvent développer une complicité qui fait que même après le décès de son mari, c'est plus une question d'argent, c'est une question de valeur profonde, de valeur de transmettre le bonheur vécu à d'autres personnes? Il y a une fortune et une culture, très important. On peut avoir une culture sans fortune et une fortune sans culture. Mais quand les deux sont associés, avec en plus, dans cette triangulation, le désir d'être généreux, d'agir pour une société, eh bien là, vous avez un triangle magique. Ensemble, ils ont constitué une œuvre. Mais en même temps, pour moi, lorsqu'elle a continué l'œuvre seule, j'avais l'impression qu'elle perpétuait leur magnifique, leur sublime histoire d'amour et que chaque objet, c'est un geste d'amour qu'elle démontrait envers l'homme qu'elle a aimé. Une grande collectionneuse, d'abord, c'est quelqu'un qui est capable, je dirais, d'investir ses goûts dans des objets qui lui semblent significatifs. Il faut que ça parte de l'intérieur. Il faut que ça parte de ce qu'il y a de plus intime en nous-mêmes, n'est-ce pas? Mais chez le grand collectionneur, il y a aussi celui qui est capable de voir dans un objet qui est significatif, non seulement pour lui, mais pour les autres. And he saw the modern design as eventually this also is history. We're already now, we're in the 21st century, we're looking back at the 20th century as getting further and further away. So, but it was really
her project, and I think he looked at it and supported it and was enthusiastic because of her interest. And I think she really enjoyed having, in a sense, her own museum in a way, which was a wonderful project. Je pense que les arts décoratifs, c'était un petit peu, ça a commencé par des bijoux probablement, et ça s'est développé par des objets de la maison, et tranquillement, c'est allé vers le mobilier. Decorative arts, the three-dimensional object, is sort of a vehicle for understanding the culture, whether it's of earlier periods or whether it's of the modern period. So she's very much an object person. She loves the decorative arts. Et cette capacité à pouvoir s'intéresser à des objets uniques, des chefs-d'œuvre de virtuosité, de l'artisanat, aussi bien qu'à des objets qui vont être édités en de multiples exemplaires, je crois que ça montre vraiment cette largeur d'esprit, cette vision. Par contre, son goût pour le design très contemporain, c'était chez elle quelque chose de fantaisiste, quelque chose d'audacieux qu'elle a mis en valeur avec les années. Je pense pas que c'était inné chez elle, mais elle l'a cultivé, puis elle était très bien entourée. En bout de compte, Liliane, après avoir écouté l'avis des experts et de ses collègues autour de la table du conseil d'administration, tirait intelligemment une conclusion qui était de dire oui ou non, mais elle donnait des explications de sa décision qui était toujours très pertinente. She has a sense of good taste that can spot modern creative development that will have an impact, and maybe she would say, she certainly expresses this in her own actions and her own passions, that you have to understand the past to really be able to appreciate new trends and important new developments, artistic and otherwise, in a contemporary context. Good design becomes great heritage. Madame Stewart est une visionnaire. Et elle voit loin, elle voit large, et quand elle a vu, il n'y a rien pour l'arrêter. Voilà. Je crois que quand on dit « let's do it right », c'est cette façon de penser les choses, de toujours en accordant ces deux buts, l'excellence et l'accessibilité. I mean, you know, the proof of the pudding is in the eating. And you see what she has collected, you see the care she's gone to, you see the professionalism that she demanded, you see also the, you know, how it had moved. It just moved along solidly, you know, from one place to another. I think that's doing it right. I think it's just doing it right, you know? Taking what you can do at the moment you can do it and establishing it in the best way you can do it. And then as you learn from that, to again be able to move on. That's the trick. That's the wonderful thing, because so many people just set something up and it stays. But Lillian moved. On parle souvent de valeurs financières autour d'un ensemble ou d'un fonds. Mais c'est pas que ça, c'est beaucoup plus. Parce que rassembler une collection, c'est tout simplement inestimable. Le temps ne peut plus s'acheter. Le temps qu'il a fallu pour donc rassembler 6000 objets dans le cas de Liliane Stewart, eh bien c'est un temps que nous n'avons plus. Ce sont des opportunités qui sont perdues. Et grâce à Madame Stewart, et ça c'est important de le dire, nous avons sauvé, finalement, des trésors nationaux. Parce que si Mme Stewart n'avait pas continué de constituer une collection, les artefacts de l'histoire du Québec et du Canada qui sont tellement significatifs dans notre développement collectif, ils auraient tout simplement été achetés par des institutions américaines, européennes. Alors, le rôle qu'elle a joué dans le développement de la muséologie canadienne, de la muséologie québécoise, dans la transmission des savoirs historiques, c'est vraiment fondamental.
What she's done is she's taken Montreal and given it a very lively institution through objects, through wings in the museum, through her activity, which is an ongoing thing. Je pense que si aujourd'hui on peut parler de Montréal, ville de design, c'est sûrement grâce à Madame Stewart qui a pu organiser, ça fait déjà 30 ans quand même, des expositions passionnantes, audacieuses, qui ont donné au public montréalais le goût de découvrir les grands noms du design contemporain. Mais toujours avec un souci de relier donc le local au global. Et c'est ce que je trouve très, très fort dans leur approche philanthropique, c'est qu'il y a le souci d'avoir des critères d'excellence, encore une fois, qui sont jaugés à une échelle internationale. And by sending these shows that we've created out throughout the United States and Europe, and through Canada, it's made Montreal into a design-proud city. So that's an incredible gift to the city. And the objects stay, and you know, 40, 50, 60, 150 years from now, there still will be not merely her name attached to the objects, but there's going to be the objects themselves. Conscience d'accomplir un devoir. Cette volonté d'accomplir un devoir, ça rejoint sa passion pour le militaire, n'est-ce pas? L'armée, n'est-ce pas? Si un jour vous êtes appelé, en anglais, on va dire « it's your tour of duty ». When she talks about her military life, she always talks about her soldiers, not about herself. And she's always proud of them like a mother is proud or a commanding general. I don't know exactly what she is. I've seen the photos of her there. And then she's eating chow off one of the plates in the camp. But I think, who would guess that this is Mrs. Stewart? Ce n'est pas une dame, comme on dit au Saguenay, est pas compliquée. Madame est généreuse de son temps, généreuse de ses idées. Elle accepte. Elle accepte des idées nouvelles. Est-ce qu'il y a seulement les femmes qui peuvent faire ça? Je ne le sais pas. C'est un leadership intelligent et discret. Tact et diplomatie, une façon de t'engager dans son projet au point où ça devient ton projet aussi. The art of conversation is not just one about making one feel at ease. It is one about understanding oneself through someone else. And I think she's brilliant at doing that. And you just want to talk with her. And whenever she was at a function, at a dinner, or anywhere else, I would always make a beeline for her. I would, I said, is Lillian here? And off we go, you know. It was almost a port of call that was necessary and enjoyable. And when I left, if I ever left before her, I would certainly make sure to say goodbye. And she's that captivating person. And I was just struck by this gorgeous, elegant woman coming in the door. The warmth and sense of confidence that she brought together in her presence. And I just thought, this is a woman I want to get to know. Vraiment un peu comme une... Dans le fond, c'est... Je la sentais un peu comme ma mère muséale. Comme une mère muséale qui nous donnait le courage et en se disant, je sais que vous allez réussir. So that ability to listen, I don't see that in too many people. And it's a quality I think she has. And it's part of what's so engaging about Lillian Stewart. And when you're with her, you just, you know, you want to just stay fixed interacting with her because you feel like you're learning, you feel like you're being understood, and you feel like you're being appreciated. Very loyal to people working with her, for her, her friends,
another excellent quality, admirable quality. Alors, sa finalité est toujours de laisser et d'intervenir dans une société pour laisser un monde meilleur. Et ce leadership-là, elle l'exerce d'une façon très tranquille et discrète en rencontrant les gens un à un ou en petits groupes et en les amenant, en discutant vers certaines réalisations qui sont importantes pour les Montréalais. C'est une femme qui veut rendre à la société ce qu'elle a reçu. Et elle a consacré toute sa vie à ça. Et c'est l'essence du travail de la Fondation McDonald Stewart qui est présidée par Liliane. Elle pouvait s'offrir ce qu'elle voulait, mais elle a décidé d'offrir aux autres ce qu'elle aurait voulu pour elle-même. Et ce qu'elle fait, en fait, c'est toujours ce qu'elle dit. Elle continue l'œuvre de M. Stewart. C'est une symbiose, n'est-ce pas? C'est une symbiose. Je dirais que il y a une perpétuelle fécondation de sa pensée, de son travail, de son imagination, par cette idée de rester fidèle. Mais fidèle ne veut pas dire être figé. Fidèle veut dire qu'elle doit permettre l'épanouissement. She is fantastic in her dimension, and it's what makes you love her. You know, spending 15 minutes with Liliane Stewart is a great day, you know. Alors, je trouve que Dame de cœur est une grande dame. Avec elle prend tout son sens. Et j'aimerais, à la fin de ma vie, être digne comme elle l'est et le sera. Pour moi, c'est une flamme. C'est une chandelle avec une flamme qui scintille très loin. Bon Dieu. Je serais vraiment contente de la revoir, mais je sais qu'actuellement, elle a des ennuis de santé. Mais je voudrais la serrer dans mes bras et lui dire que, pour moi, je l'aime tout simplement.